Hello, nous voici dans une nouvelle vidéo découverte. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Hades, l'excellent roguelike de Supergiant Games, donc qui est sorti fin d'année dernière, d'abord sur PC Switch, et qui fait son entrée sur les consoles PlayStation. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une version PlayStation 4 à laquelle je joue sur PlayStation 5. Voilà. Donc, je vais faire un petit tour rapide dans les options. Donc, on peut régler les volumes différents, musique, effets sonores, voix, régler la luminosité. Sous-titres, c'est bon. Vibration, c'est enclenché. Mode divin, je ne sais pas ce que c'est et je ne vais pas le prendre, puisqu'à tous les coups, ça va être encore plus difficile. Affichage du chronomètre, par contre, c'est pas validé. Je ne sais pas pourquoi, mais on va laisser les paramètres par défaut. Effet de tremblement et affichage des dégâts. Niveau des commandes. Aide à la visée, c'est bon, c'est mis dans les paramètres par défaut. Après tout ça, j'imagine qu'on va avoir quand même un minimum de tutoriels. Les langues, on va laisser en français, hein, forcément. Et les crédits, on s'en occupera pas pour le moment. On va commencer. Donc c'est vraiment la première fois que j'y joue. Donc forcément, j'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de Hades. J'ai pas eu l'occasion de faire de test avant, et là, avec la sortie sur PlayStation, eh ben, je remercie l'éditeur donc qui nous a confié un code. On va faire ça. Donc je découvre complètement, hein. J'ai vu quelques extraits. Attention. Whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, father. Voilà, on est largué dans le truc. Où tire de cet endroit? Ouais, c'est superbe. Alors, nous avons des petits personnages à moitié fantomatiques là. On va essayer de les éviter, je pense. Alors attends, j'observe. Et puis le but, c'est aussi pour vous de découvrir un petit peu tout ça. Non, ça va, ça ne fait rien du tout. Toi qui bouge pas là, peut-être. Donc de toute façon, ça va être le genre de jeu où il faut commencer, recommencer, recommencer. Alors, un dash avec la croix. Le carré, on attaque. Ouh, le triangle. Oups, ouais. Mignon, sympa le petit détail. Voilà, ça c'est une attaque plus... enfin plus forte visiblement. Ah, sympa. What is it? Attends, parce que c'est caché, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? How careless of me. Qu'est-ce que c'est que ça? 0 sur 1, 1. Qu'est-ce que c'est ces choses? On verra bien, on va continuer. Hein. De toute façon, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire là pour l'instant. Le but, c'est de progresser, forcément. C'est quoi ça? Ah, il n'y a pas de saut. Oh là 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 là, la première ennemie. I'm leaving. Try and stop me. Not now. Tuer cet ennemi pour... ça va vite. J'ai pas vu, j'ai pas vu. C'est bon, bon c'est un premier ennemi, donc normalement c'est pas super compliqué. Oups là! Attends, attends, j'essaye d'appréhender les commandes moi. Ça c'est pas mal parce que ça permet d'infliger des dégâts de relativement loin quand même. C'est quoi ça? What is it ça? Oh oh, méfiance, méfiance. J'ai perdu des points de vie quand même. Je sais pas si on récupère des points de vie quelque part là-dedans. N'oublie pas d'utiliser le dash, très charmé. Fermé, ouais, bah, faut que je me débarrasse de tout le monde avant, j'imagine.
Il est pas mort, lui. Ok. Ah, j'ai un chat qui vient me chatouiller les pieds. Qu'est-ce que c'est, cette chose? Ça doit être elle. Bon, alors c'est parti. Au nom d'Adès. Olympe, j'accepte ce message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Alors, je vais lire. Salutations, noble cousin, à présent faisant en sorte que tu t'échappes de ce misérable taudis. Je verrai à ce que tu nous... à ce que nous tous sur l'Olympe venions à ton secours, à commencer par moi-même dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Je choisis un bienfait. Oups. Frappe divine, votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Plus 40% de dégâts d'attaque. Tir de phalange. Votre lancer inflige des dégâts de zone et renvoie toute attaque sur sa trajectoire. Dégâts de lancer, on passe de 50 à 85. Élan divin, votre élan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin. Ouais, mais on est obligé là. Eh bien... bah écoute, on va essayer ça. I know you can't hear me all the way where you are, goddess, but thank you. Je sais que vous ne pouvez pas m'entendre de là où vous êtes, déesse, mais merci. Ok. Alors du coup, attends. Ouais, donc c'est ça qui, a priori, peut maintenant infliger des dégâts. Ok. Come on. Oups, ça. Les pics qui sortent du sol. Non, j'ai pas été... mon esprit n'a pas été efficace, je n'ai pas géré du tout. Récolté. Ok, bah, je sais pas à quoi ça sert, mais bon voilà, j'en ai 10. Par contre, je ne peux pas me soigner, mais... ah, mais... j'essaye d'être partout pour de faire des commentaires pour la vidéo, puis du coup, j'ai pas le temps de lire ce qu'il nous dit. Je ne sais pas si j'ai possibilité. Pas du tout. Ouais. De revoir les lignes de dialogue. C'est pas grave. De toute façon, je sais que je vais pas réussir à aller bien loin. Hein. Il va falloir recommencer, c'est évident. C'est un premier essai. Ah, mais t'esquives pas comme il faut. Ou c'est moi qui maîtrise pas bien encore la manette, hein, on peut le dire. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. You've got quite the fighting spirit. Ares, dieu de la guerre. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Alors, je dois reconnaître que tu es très combative, voilà qui est tout à fait fascinant, bien que peu surprenant venant de quelqu'un né dans les enfers. Sors de là et viens tout me raconter. Moi aussi, je suis un adepte de la mort, vois-tu. Ah,
Alors, votre attaque applique l'état maudit. Tir tranchant, votre lancer crée une faille tranchante. Sort de vengeance, lorsque vous subissez des dégâts, vous appliquez l'état maudit aux ennemis à proximité. Ah, mais ouais, mais... Ah. Quand celui-là, il est rare apparemment. Each exit has its own reward. Ah. Ah. Ah 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 ouh. Ah. Absorb my blow. Oulala, oulala. Ouais, mais je vais me faire ma fille. Ah non, c'est bon, je vais récupérer. Non, mais pardon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris! Mais j'ai pas compris! Bon, c'est pas grave. J'ai rien capté à cet écran-là qui s'est figé. Donc voilà le principe, en fait. On avance, on apprend au fur et à mesure. Et on recommence. Oui. Pas de violence à la maison. Go. Parlez. Stupid boy. Comment ça? I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Moi, je vous ai pas lu du coup. Bonjour père, le pillage s'est bien passé, c'est gentil de t'en inquiéter, je retourne donc de ce pas. Si tu veux bien m'excuser. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Mais je t'en prie, qu'est-ce que cela peut me faire? Tu n'atteindras jamais la surface. Va donc t'en rendre compte par toi-même. Ok. You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. De tels contretemps sont inévitables, mais peuvent être surmontés avec du temps et de l'effort. Tu es entré en contact avec la déesse Athéna, elle tiendra sa promesse. C'est exactement ça, en fait. I'm grateful that you put us in contact. I know you took a considerable risk in reaching out. J'ai confiance en toi, Nyx. Je te suis reconnaissant de nous avoir mis en contact. Je sais que tu as pris beaucoup de risques pour ça. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Alors ces risques ne me concernent en rien, je m'attendais à ce que les Olympiens s'immiscent dans cette affaire, tôt ou tard. Ne leur révèle pas plus que ce qu'ils savent déjà. Nous sommes, nous bien compris. Yes, we are. Then go. Hey, Room, I'm back. Ok, alors attends, qu'est-ce que c'est que tout ça? Là, examiner. The chambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Alors, en résumé, c'est un joyeux bordel dans ma piole. Oh, come on, it's not that bad, is it? Non, c'est pas grave, t'as droit. Ce miroir, enfin cette partie-là qui brille, contempler. Night and darkness guide me. D'accord, miroir de la nuit, présence sournoise, vitalité cnonienne, refus de la mort, réflexe aiguisé. Ok.
Donc visiblement, j'ai quand même, ça me sert quand même à quelque chose et ça n'est pas perdu. Les gemmes là, violettes. Ah, d'accord. Ah. D'accord. Ok. Restaurer 50% au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à zéro. Une fois par niveau. Ah, sympa. Oui, on va quand même avoir au fur et à mesure un petit peu d'aide pour essayer de progresser. Et d'arriver à la surface. Alors ça, c'est quoi? Visiblement. Ok, d'accord. Pareil, d'accord. Des choses à découvrir plus tard en fonction des clés. Il me faut plus de clés d'après ce qu'il dit. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Quelque quoi? Empty for now. Qu'est-ce que c'est? Souvenir. Ici-bas, même les amitiés mortelles peuvent être éternelles. Offrez du poup à quelqu'un afin d'obtenir ce souvenir. Ok. Un petit tour d'horizon. Hein. Parfait. Bah écoute, s'évader. I'm ready. Non, I'm not ready, but I don't have choice. No choice for me. Ah, qu'est-ce que c'est? Is this really him? C'est vraiment lui, ok, au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Zeus. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as cold in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Bien le bonjour, jeune homme. Écoute, ton père a toujours eu mauvais caractère et cela fait bien longtemps qu'il ne nous a plus donné de ses nouvelles. Tu auras une bien meilleure vie sur l'Olympe, ta vraie mission. Et pour t'aider en ton voyage, je t'accorde ma bénédiction. Ah. Technique foudroyante, épique. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre, dégâts de lancer, et votre élan... déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité, dégâts de fou. Ben non, mais ça, épique, donc j'imagine que c'est pas mal. Hein. Yes, yes. Attends, c'est quoi ça? Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Oui, il est en train de m'expliquer en fait que à chaque run que je vais faire, ce sera différent. En gros, c'est un peu ça le principe. Ah, Dak. Par contre, viser... Ouais, si. Oups, là. Quoi? J'ai été touché. Magie... Mais quoi? Ah, mais non! Si on pouvait éviter de se foutre dans les pics, ça serait bien. Enfin, de toute façon, je pense pas aller bien loin aujourd'hui. Hein. Cette vidéo de découverte, comme l'indique son nom, est une vidéo pour découvrir le jeu. Quoi? Alors, soit je peux continuer là, soit je peux continuer là. Mais j'ai pas la moindre idée de la différence. On va aller là. What is it? La monnaie des morts. Attends, je te récupère en passant. Alors, du coup, ben, on va partir par là. Cette fois-ci, passer par la clé.
Mais non. Mais non. Ah non, mais nul. Mais c'est quoi ça, là? Bon, bah, je vais pas aller bien loin. Hein. Ouh, il y en a encore plein. Mais je me fonce dedans. Non, mais vous y croyez, ça? Une clé, ouais. Oui, ça pourra déverrouiller quelque chose quand je vais retourner à la maison. No way to patch up. Je n'ai fait n'importe quoi. Je fais le petit essai là. Ah bah oui, du coup j'ai plus, bah oui. Le dash qui attaque, je ne l'ai plus puisque j'ai recommencé une run. Forcément. Je me suis fait un peu avoir comme une bleue. Oh là là. Mais je rêve pas, ça envoie des trucs ça. Saleté. Franchement, heureusement qu'il y a des dashs, parce que sinon c'est même pas la peine. Ah, saloperie, la statue, là! Magnifique! Eh ben, écoutez... Voilà, j'ai joué comme un caca. Mais c'est très, très, très intéressant. C'est magnifique. Et je pense ressentir la même chose que la majorité des gens qui ont joué au jeu, c'est que t'as pas envie d'arrêter. Tu n'as pas envie d'arrêter. Mais on va arrêter quand même. Il y a quelqu'un au bureau à côté du trône. Oui, tu me parles, toi. Tu veux me parler. Rénover. Rénover quoi? Un restaure un peu de cœur dans l'obscurité. Ah ah. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. Ouais. Pour le coup, ça va pas être possible. Ça... Can't afford that. Ouais, ça sera pour plus tard. Bah écoute, c'est parfait. On va s'arrêter là. C'est tellement beau. C'est un studio indépendant quand même qui a fait ça, vous vous rendez compte? Cette réussite. C'est vraiment... voilà. Enfin bon, voilà, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hein, ça fait que vivre la même chose que tous les joueurs qui ont expérimenté Hades, ou enfin une immense majorité de joueurs, on va dire. Il y en a certains qui n'ont pas dû aimer, c'est logique. Mais en tout cas, c'est super excellent. C'est très très beau. J'adore la direction artistique. Et voilà, moi je suis ravie. Ben, j'espère que ça vous a vraiment permis de bien découvrir le jeu. Vous donner envie d'y jouer, je ne sais pas, mais je peux que vous le conseiller. C'est super sympa. Ah, mais encore plein de choses à voir par ici. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Ça sera à vous de découvrir ça par vous-même. Merci d'avoir regardé. Ciao.